plus efficace également à l'intérieur des locaux, notamment en permettant du multimédia. Donc, on a travaillé sur de nombreux cas d'usage hein, dont on vous parlera pendant cette période avec différents lieux. Donc, le musée, comme je l'ai dit, à Issy-Moulineaux, mais il y avait aussi d'autres partenaires dans d'autres pays d'Europe, hein, notamment le métro de Madrid. En Angleterre, il s'agissait de logements. En Chine, il s'agissait de supermarchés. Hein, l'idée étant de compter automatiquement les produits qu'on mettait dans son caddie et de les payer sans même devoir les toucher. Et puis, je crois que j'ai tout au niveau des pilotes qu'on a fait. Bon, bref, à côté de l'évolution technique, ça a surtout contribué pour nous, ville d'Issy-Moulineaux, à la réflexion en fait, sur l'usage de la 5G, puisqu'on parle beaucoup de cette nouvelle technologie hein, qui va faire partie de notre quotidien dans les tout prochains mois. Et en l'associant notamment au LIFI. Donc, la démonstration devait aussi se tenir dans le cadre d'une conférence internationale BMSB 2020 qui va accueillir l'ISEP du 27 au 29 octobre, un événement qui sera aussi intégralement organisé en ligne en raison de la pandémie. Et le professeur Jun Zhang présentera ensuite les travaux de l'ISEP hein, et le bilan du projet URL en insistant sur le lien avec la technologie 5G. Denis Butet, qui est avec nous, est le directeur du musée français de la carte à jouer à Issy-Moulineaux, qui devait accueillir cette démonstration et qui permettra d'expliquer en fait comment le LIFI, qui est aujourd'hui une réalité, a été intégré dans le parcours des visiteurs du musée et ce qu'il attend de ces évolutions techniques. Et enfin, avec Orange, on a lancé la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, un challenge 5G à destination des innovateurs, des entreprises, des startups, de façon à pouvoir identifier et tester de nouveaux usages avec cette 5G. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole au professeur Zhang, qui va pouvoir parler du projet EURL. Je vous mets juste la présentation PowerPoint qui est prévue avec la télécommande. Non, télécommande, c'est bon? Ok, bonjour. Bonjour tout à tous. Donc, d'abord, bienvenue à Ça l'ISEP. arrive. Comment on met la PowerPoint là sur l'écran? Si, c'est déjà le PowerPoint, je pense. Oui, c'est ça, mais je voudrais mettre quelque chose qui passe sur cet écran-là. Là, maintenant, là, oui. Oui, mais ça ne va pas. Voilà. C'était déjà ouvert. OK. Débrouillez votre place plutôt, voilà. Ouais, je reste ici. OK. Bon, bonjour à tous. OK, bienvenue à l'ISEP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zhang, enseignant-chercheur de l'ISEP. J'ai participé dans le projet EURL avec IC Média et Musée National Carte à Jouer. La tâche principale en travailler, c'est sur la partie de communication par lumière, l'IFI, et la partie localisation. Donc, ici aujourd'hui, la présentation que je vais vous montrer, t'inquiète pas, ce n'est pas le cours de technique. Hein, donc, on change une façon de présenter notre projet au point de vue de l'application. C'est-à-dire, une fois qu'on a 5G, qu'est-ce qu'on peut faire avec? OK? Donc, mais tout d'abord, je vais vous présenter, parce qu'Eric, il a dit, le projet est tellement Vous êtes important. parti, c'est appuyé. Hop. Eh ben, Déjà, tout vu, merci. alors. Bon, Vous êtes bah, super rapide. c'est la vitesse de lumière. qu'est-ce qui se passe? Ah, après, il y a un peu la danse. Ouais. Attends, ça, c'est quelque chose. OK. Donc, ce que j'aime bien vous présenter déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire EURL? EURL, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne dans le cadre de Horizon 2020. OK? Donc, qui fait une partie des projets de 5G. Donc, qui se situait en deuxième phase de projet 5G. Donc, une fois les standards 5G sont définis en 2016, en 2017, donc la deuxième phase, c'est pour avoir des complémentations du standard pour vérifier qu'est-ce qui manque. Et aussi de faire des démonstrations et aussi la démonstration laboratoire.
Donc, c'est là où on intervient pour les projets IRL. Donc, les nouveautés qu'on a proposées, c'est en se basant sur le standard 5G classique qui est basé sur la bande de fréquence de minimum wave, c'est-à-dire au-dessous de taille. Tout ça, on proposait de l'intégrer la bande de lumière, c'est-à-dire le visible light, okay, la lumière visible. Donc, c'est là qu'on est situé. Donc ici, ce que je disais, je promis que je ne vais pas rentrer trop dans le détail de technique, mais ici, on est plutôt regarde dans l'avenir de 5G, l'application. Pour moi, personnellement, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est la localisation. En anglais, on appelle location-based service. Donc, en se basant sur la localisation, tout en respectant la sécurité, aussi l'information privée personnelle, bien évidemment. Donc, le 5G qui va larger un peu le scénario de service basé sur la localisation des utilisateurs ou le véhicule. Donc, tout en avançant ici, je vous montre un petit vidéo. J'espère que ce n'est pas la réalité parce que je n'aime pas. C'est juste pour vous montrer dans l'avenir ça, la virtuelle réalité et aussi le service lié à la localisation qui va intégrer dans notre vie. Je vous montre ça, qui va utiliser pour l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Donc, qui va faciliter la communication entre les gens, entre les objets. Maintenant, on parle l'objet connecté. Dans l'avenir, c'est tout est connecté en ligne. C'est Internet of Everything. Okay? Et ici, il y a un mot-clé qui est très important, c'est l'information de localisation. On parle à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, qui va renforcer un peu la relation de notre société, qui va renforcer certains services qui sont liés sur la localisation. Voilà. Fait le système de recommandation dans le supermarché, mais aussi des informations supplémentaires au musée. Donc, c'est ici. Donc, j'interviens ici pour voir, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? Imaginez qu'on a un système de localisation basé sur 5G qui nous permet de fournir une précision de localisation très élevée. Donc, beaucoup de travail qu'ils ont fait déjà à l'extérieur, passé sur GPS, la localisation, les véhicules connectés. Mais maintenant, on sait très bien les activités humaines entre nous, de plus en plus, c'est à l'intérieur des bâtiments. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, c'est basé sur cette curiosité, l'intérieur. Donc, pour le projet IRL, on essaie de chercher le scénario à l'intérieur des bâtiments. Donc, on discutait avec ces médias, aussi on collaborait avec le Musée national de cartes à jouer. En idéal, c'est voir est-ce qu'on peut avoir un système de visite qui rentre plus confort à notre visiteur qui est lié sur la position. Et donc ici, on a pensé certains scénarios. Déjà, navigation pour dire, tiens, qui permet de monter que, où on est, hein, qui permet de, hey, je suis dans le quartier d'Henri IV, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est juste que j'imagine un peu, qui permettent aussi, ne pas seulement pour nous, mais aussi pour certains, les guides robotiques, de dire que tiens, les robots qui vont connecter avec le système de localisation, qui permettent de quitter les gens et de proposer des services beaucoup plus précis. Okay. Une petite guide que je vais expliquer ici, et toute la localisation est basée sur la lumière, lumière visible. Donc, l'idée, c'est dans certains endroits qu'il y a vraiment une interférence de radiofréquence. Donc, pour éviter cette interférence, donc on passait sur la LED. On parlait aussi pour la communication verte, pour la consommation aussi, aussi pour la santé humaine. Donc, l'idée, c'est un petit scénario. Si le LED, au début de l'entrée, qui permet de quitter, que détecter les gens qui rentrent dans le musée, qui va lui proposer un guide, un chemin de visite, selon certains endroits spécifiques, la LED qui va lui proposer de fournir des informations spécifiques sur certaines cartes, visites, tout ça. On aura des informations de 2D à 3D. Les 3D, c'est-à-dire les informations qui se cachent derrière des produits, qui peut nous raconter l'histoire ou qui peut nous raconter aussi certains contextes liés sur cet objet, qui rentre la visite est beaucoup plus intéressante. Et jusqu'à la fin de notre visite ici.
Voilà. Donc, en gros, mon idée, c'est ça. Donc, le scénario qu'on a pensé, c'est de proposer une guide de visite. Et donc, on a bien imaginé certains endroits qu'on voudrait installer notre démonstration. Donc, on a imaginé les quatre zones. Ici, les visiteurs va visiter l'endroit un autre ici. Donc, le système qui le permet de identifier la localisation de visiteurs, y compris le robot qui quitte les gens. Dans ces zones ici, bon. Toutes les informations de localisation vont retourner vers un serveur de localisation, qui va analyser selon la position de l'utilisateur, qui va lui fournir des services spéciaux. Pour les enfants, peut-être il va lui proposer des animations liées à l'objet. Pour ceux qui des études ou quelqu'un qui a une demande spécifique, il va lui proposer des informations liées à ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser votre visite, lier les informations. Et donc, la réalité et la réaliser, il y a toujours des distances quand même. Donc, surtout avec cette période un peu particulière, je pense que vous comprenez. Donc, ici, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé actuellement grâce au travail de notre collègue en Angleterre. Donc, ça, c'est un scénario qu'on a fait pour la maison intelligente. Donc, ici, la démonstration, ici, on voit, on a les quatre LED ici. Ici, la LED, c'est la LED commerciale qu'on trouve chez IKEA. Okay? Parce qu'il y a une information très importante dans notre projet, c'est on abandonne un peu la performance de communication. Parce que pour la communication par lumière, ben, si vous travaillez un peu sur l'état là, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent très haut débit. Mais ici, pour nous, c'est on utilise la lampe commerciale. L'objectif, c'est pour tout le monde qui peut l'utiliser, pour réduire le coût. Okay? Donc, le système, on voit ici, donc ici, c'est un récepteur. Donc, ici, vous voyez peut-être pas très clairement, ici, c'est le serveur de 5G. On est câblé par un câble de SMA et qui diffusait les informations tout en respectant le standard 5G. Ils sont diffusés par LED. Et on reçoit par un photorécepteur ici. Les informations sont retournées au serveur et donc qui nous permet de traiter notre information. Donc ici, c'est le résultat qu'on a obtenu, on a calculé. Donc si la couleur plus foncée vers un bleu, c'est-à-dire la précision est plus élevée. Okay? Donc on voit, on a obtenu un moyen de précision à peu près 5 cm. Donc ça, ça nous étonnait quand même, parce qu'au début, on dit, tiens, si on peut atteindre entre 10 ou 20 cm, c'est déjà très bien. Et donc, grâce à les travaux de nos étudiants, on a appliqué certaines technologies de IA comme le PSEO algorithme. On a permis de vraiment avancer cette calcul qui nous permet d'avoir le taux d'erreur moyennement entre 5 cm. Le maximum, c'est 11 cm. Okay. Ça, c'est le premier résultat qu'on a obtenu avec les vraies mesures, hein, donc, dans ces situations ici. Donc, normalement, je résume. Cette démonstration, cette zone ici, ça va être une zone dans notre musée. Je vous l'expliquais à notre directeur de musée. Voilà. Donc, reviens dans ces slides ici, c'est-à-dire dans une zone ici, on aura à avoir un zone système comme ça. Et donc, une fois que le visiteur change la zone d'ici, supposons dans une autre zone, le serveur de localisation va identifier la position des utilisateurs et lui proposer les nouvelles contenus liés à la visite. Donc, à la suite, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est les images qui sont fournies par notre partenaire chinoise. Ils ont avancé déjà l'application. En fait, l'application, ce que je vous ai, on est prêt. On a déjà l'application mobile, mais il manque la partie de l'intégration. C'est-à-dire ici, imaginez, on a l'application mobile qui permettent de l'intégrer avec le visiteur, aussi avec le serveur. Donc, selon le LED qui est associé avec les différents objets qu'on a visités, avec le téléphone, le smartphone, avec les caméras, qui nous permettent d'identifier la position des utilisateurs, et donc, on aura les informations qui, entre guillemets, qui se cachaient derrière cette peinture. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet
ou montrer actuellement. Et donc, on conclut ici. L'objectif dans l'avenir, c'est essayer de compléter cette intégration et aussi d'essayer de proposer une visite intelligente pour le système de multimédia aussi. Donc, dans ce projet, on a, c'est un grand projet, on n'a jamais vu ça. On a 23 partenaires, on a 9 pays, y compris 3 partenaires qui viennent en Chine. Donc, on a rigolé un peu, surtout le dernier moment, quasiment de, à cause de la période épidémique. Donc, on a essayé de faire mieux. Donc, voilà. Donc, je pense que je termine la présentation. Si vous avez des questions, je passe la parole. Merci, merci, professeur Zhang. Oui, on prendra plutôt les questions à la fin de la session, à la fois ici, mais aussi ici aussi, pardon, en ligne là-dessus. On va revenir un peu au musée. C'est un autre monde que celui que vient de décrire le professeur Zhang. Mais avant de démarrer, en fait, je vais vous diffuser une vidéo sur le LIFI qui est déjà en place au musée depuis plusieurs années maintenant, mais il vous en parlera plus là-dessus, si j'arrive à retrouver où est la vidéo. Voilà. Bon, là. Ça répond pas. Oui, mais il faut déjà que... J'ai besoin de l'aide du technicien. Normalement, c'est traduit automatiquement, sous-titré en anglais, parce que pour nos spectateurs anglophones, c'est une vidéo donc, qui a été réalisée par un média français. Voilà, ok, vous pouvez lancer. Avec le son, si, c'est bon. Parce qu'il s'agit du premier musée en France équipé d'un système LIFI. Le LIFI, vous savez, c'est le Wi-Fi par la lumière. Eh bien ici, on peut tout savoir sur les œuvres qui sont exposées grâce à un système de communication LIFI. Alors voilà, c'est une exposition en fait, consacrée à la Seine, hein, le fleuve la Seine qui traverse Paris, comme chacun sait. Donc toute une collection de tableaux dont le thème est la Seine. Et alors la particularité, c'est que ici, pas d'audio guide, hein, comme dans la plupart des musées, ou pas de petit prospectus papier. Non, à la place, j'ai une tablette. On me remet une tablette à l'accueil, et c'est cette tablette qui va me permettre à chaque fois d'en savoir plus sur chacune des œuvres. De manière très simple, puisque la tablette est verrouillée, elle ne fait qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule application disponible. On lance l'appli, et ensuite, chaque fois que je vais m'approcher d'une œuvre, la tablette va se retrouver dans le champ lumineux des spots qui sont juste au-dessus et qui éclaire précisément cette œuvre, et ainsi ça va lancer la vidéo explicative. Alors on le voit, ça démarre très rapidement, ça marche plutôt bien, et quand on passe même d'une œuvre à l'autre, la vidéo qui était en train de se jouer s'interrompt pour démarrer directement sur la deuxième, correspondant précisément au tableau que je suis en train d'observer. Ce tableau de Galerne surprend par sa clarté et son sens du... L'avantage du LIFI, c'est que dans un musée, l'éclairage est quand même omniprésent et éclaire les œuvres. Donc, on peut cibler l'information et envoyer une information ciblée, puisque c'est la lampe qui éclaire l'œuvre qui va en même temps transmettre l'information vers la tablette. Donc, information très ciblée, pas de surcoût électrique, puisqu'on ne va pas installer des bornes Wi-Fi en plus. Donc, une borne Wi-Fi est quand même consommateur d'énergie. On utilise le même réseau, le réseau d'éclairage, pour à la fois diffuser de l'information et éclairer. Et le débit, évidemment, en troisième argument, vous pouvez envoyer de la vidéo, vous pouvez envoyer d'énormes données de manière plus rapide que le Wi-Fi qui, dans des structures métalliques comme ici dans ce musée, passe très mal en fait. Toutes les technologies sans fil passent par cette étape, évidemment, au départ où les mobiles ne sont pas compatibles. Hein. C'est le déploiement du réseau qui fait que les mobiles suivent, ils sont plutôt suiveurs sur les technologies comme la 3G, le Wi-Fi. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une question de temps. Voilà. Alors pour ce musée, on a équipé nos tablettes directement du récepteur à la fabrication. Voilà. On a fabriqué nos propres tablettes LIFI
afin de montrer que l'intégration du LiFi dans un mobile est une chose facile. C'est la caméra qui reçoit le signal lumineux et derrière, on met le bon logiciel pour traiter les données. Un smartphone compatible LiFi, vous y croyez à bonne échéance ? Oui, oui, tout à fait, puisqu'on discute avec beaucoup de ces fabricants et tous ont marqué un intérêt vif pour la technologie. Maintenant, il faut déployer le réseau et ils travaillent déjà sur cette technologie. Donc, tous les grands, hein, on n'a pas besoin de les citer, ils travaillent sur cette technologie et ils suivront, ils préparent même l'arrivée de cette technologie dès maintenant. Bien sûr, tout cela va évoluer. Et puis, en fait, le LiFi ne remplacera pas le Wi-Fi ni la 4G. C'est simplement une technologie supplémentaire qui viendra s'ajouter aux autres systèmes de communication qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et donc, à la 5G. Donc, Denis Butet, donc, je vous l'ai dit, directeur du musée. Depuis le 7 décembre jusqu'au 20 mars 2016, Je peux vous regarder toutes les vidéos si vous voulez d'ici TV, vous allez vous les retrouver en ligne sans aucun problème. En tout cas, l'expérience que vous venez de voir, elle est en réel hein, au musée d'ici Mouneau. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore, à aller le visiter. Et c'est une expérience, évidemment, que vous pouvez vivre en live avec le LiFi. Denis, peut-être vous laisser le temps de présenter pourquoi vous avez choisi cette technologie et ce que vous attendez de évolutions, notamment via la 5G. Alors, le musée français de la carte à jouer, ici les Moulineaux, est un musée municipal. C'est le musée de la ville d'ici les Moulineaux. Et il a été créé, inauguré en 97, c'est-à-dire imaginé dans les années 90, avant évidemment la révolution numérique. Donc, il n'a pas bénéficié justement d'une intégration digitale. Il n'avait pas du tout de réseau Wi-Fi. Et il était construit, ça a été dit dans la vidéo, à l'aide de plafonds béton extrêmement épais et d'une résille métallique qui vient former un faux plafond entre chaque étage et donc empêche la diffusion d'ondes. Il faudrait mettre des bornes Wi-Fi extrêmement puissantes pour pouvoir obtenir un bon réseau. Alors, on n'avait pas de réseau Wi-Fi et on avait des difficultés pour en installer un. Donc, on s'est posé la question, comment connecter finalement donc, nos salles avec quelque chose qui permet de passer une information donc de manière numérique. La solution LiFi nous est apparue être une bonne solution parce que d'abord, on ne souhaitait pas avoir quelque chose qui permet d'avoir une liberté totale aux visiteurs, d'une part, et puis d'autre part, on ne souhaitait pas non plus qu'il y ait une sorte d'utilisation de notre réseau pour autre chose que l'utilisation qu'on avait prévu de faire avec ce réseau. Ensuite, on voulait aussi sortir de l'idée des audioguides traditionnels. Vous les connaissez tous, sans doute. Donc, ces espèces de gros smartphones un peu épais, un peu lourds, qui nous emmènent en fait dans une découverte par des numéros, comme une sorte de grande chasse au trésor. Et puis, chacun a sans doute vécu l'expérience dans une exposition d'avoir pu trouver le numéro 1, 2, 3 et d'avoir loupé le 4. Et donc là, évidemment, s'ensuit donc une grosse panique pour retrouver le 4 et pas passer directement au 5 de peur de perdre le fil du discours de l'audio guide. Donc on ne souhaitait pas ça également, on souhaitait une visite totalement libre et un visiteur autonome qui puisse avoir une expérience augmentée de sa visite, augmentée d'un commentaire, d'une animation, d'une information supplémentaire. Donc le LiFi par finalement un ciblage grâce à la lumière est donc une possibilité de pouvoir approcher un matériel de médiation, qui soit donc là, c'est une tablette au musée, mais ça pourrait être bientôt un jour un smartphone directement depuis l'œuvre concernée, sans avoir à se demander si c'est la 1, la 2, la 3, permet une visite totalement autonome et finalement le visiteur devient véritablement acteur de sa propre visite en s'approchant d'une œuvre, quelle qu'elle soit et selon son envie, son appétit, eh bien, il déclenche donc un contenu. Et ce contenu permet aujourd'hui d'avoir une information supplémentaire, c'est-à-dire une mise en contexte, par exemple, de l'œuvre dans une perspective d'histoire de l'art ou dans une perspective biographique quand il s'agit d'un artiste ou s'il s'agit d'un lieu, d'une histoire du lieu. Donc, ajouter de l'information à partir d'une œuvre.
ou bien aussi passer de manière transversale, c'est-à-dire s'adapter à un visiteur. Donc, on peut imaginer différents parcours avec des parcours plutôt enfants, des parcours famille, après, évidemment, toute la catégorie des parcours en fonction des langues. Et donc, on peut avoir évidemment la possibilité, quand on est de langue anglaise, d'avoir un parcours anglais, etc. Donc voilà, c'est cette possibilité du LIFI de cibler et de personnaliser finalement la visite qui nous a intéressés. Le fondateur de l'EDCOM avec qui on a travaillé en 2015 pour l'installation, d'abord sous forme de test pour l'exposition que vous avez vue, donc qui était la belle boucle de la Seine, avait imaginé ce dispositif pour éclairer directement les œuvres. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. En réalité, on s'est rendu compte que l'éclairage d'une œuvre était un peu plus complexe qu'une ampoule qui était finalement un peu systématisée. Donc, il a fallu quand même revenir un peu sur cette idée. Donc, on ne peut pas à la fois éclairer l'œuvre et déclencher un contenu. En revanche, on peut quand même utiliser la lumière pour déclencher un contenu. C'est une autre opération. Donc, cette idée-là, en revanche, était une idée à compléter. Mais en revanche, la phase de test donc, qui a duré le temps de l'exposition, donc 2015-2016, nous a permis de valider cette idée-là et de l'installer cette fois de manière pérenne dans les galeries d'histoire de la ville où aujourd'hui donc, vous avez la possibilité de vivre une visite commentée à l'aide donc, de cette tablette qui vous donne accès à du contenu quand vous approchez de sept œuvres qui sont réparties dans la galerie. Donc ça, c'était l'expérience de la phase 1, c'est du LIFI première génération, donc c'est un LIFI descendant avec simplement l'installation d'un spot sur un rail qui est d'ailleurs le rail banal, si je puis dire. Donc ce sont nos propres rails qui ont été utilisés, on n'a pas eu nécessité de rajouter une infrastructure électrique. Et depuis ce spot, donc, la lumière donc, indique sur la tablette par le biais d'un lecteur optique dédié, c'est une tablette tout à fait particulière, hein, n'essayez pas avec les vôtres, déclenche une vidéo, donc la lumière 1 déclenche la vidéo 1, la lumière 2 déclenche la vidéo 2, etc. Et donc nous, on peut agir en ajoutant donc, des contenus sur la tablette, c'est-à-dire remplacer le fichier vidéo 1 par un nouveau fichier vidéo 1 quand on a envie de changer la vidéo, donc on est totalement autonome dans la maîtrise de cette technologie. Donc, du LIFI simplement descendant, pas ascendant, il n'y a pas encore de dialogue. C'est pour ça que la nouvelle expérience de LIFI au musée, donc là où dans les plans qui ont été montrés pour la nouvelle expérience, elle ne se situe plus dans la galerie d'histoire de la ville, mais cette fois au cœur des cartes à jouer qui ne sont pas dotées pour l'instant de technologie, parce qu'on attend évidemment cette révolution pour pouvoir là aussi finalement faire un saut de génération technologique pour aller directement un peu plus loin et aboutir à de nouveaux contenus. Un musée, aujourd'hui, évidemment, ne se visite plus comme dans le temps, si je puis dire. Notre problématique, elle est là. C'est-à-dire que les musées d'aujourd'hui, je parle des musées parisiens en petite couronne, etc., dans les années précédentes, ont misé beaucoup sur les expositions qui sont les moteurs de fréquentation de nos établissements, à tel point qu'on a pu dire pendant un moment d'ailleurs que les expositions ont tué le musée, puisque les gens venaient voir les expositions et ne venaient plus voir les galeries permanentes. Je vois que beaucoup hochent de la tête, donc ils ont vécu tout ça. On peut rentrer dans un musée sans voir le musée, et là, on aboutissait à un dilemme. Donc, il faut dynamiser nos collections permanentes, et c'est tout l'enjeu de ces nouveaux modes de médiation, de permettre d'ajouter de l'information, mais libre, hein, non plus enchaîné à un parcours comme on l'était auparavant, avec une technologie extrêmement simple, automatique. Ce côté automatique pour nous est extrêmement important. On n'a pas besoin de manipuler. On a des publics parfois d'un certain âge qui n'ont aucune compétence informatique et qui n'ont pas de smartphone. Et donc, ils ont besoin d'un outil qui soit vraiment tout à fait autonome et automatique. On a besoin d'un matériel également qui soit un peu différent de ces téléphones audio guides qu'on avait auparavant, donc qui puissent fournir de l'image, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, avoir suffisamment donc, de débit aussi pour pouvoir avoir de la vidéo automatique. Surtout pas de temps de latence. Ça, c'est le côté direct qui doit être absolument nécessaire pour pouvoir avoir une visite augmentée.
Parce qu'aujourd'hui, quand on visite un musée en région parisienne, on n'a qu'une heure, hein, parce que on fait ça le week-end. Le samedi matin, on est à Leclerc. Le samedi après-midi, on doit amener les gosses je ne sais pas où. Et nous, on a juste le dimanche entre 15h et 16h. Donc, on a un tout petit temps qui est consacré au musée. Et donc, c'est ce petit temps-là donc, qu'il faut transformer en une expérience qui permette de pouvoir véritablement apporter une vraie plus-value. Apporter de la vraie plus-value avec cette expérience de l'IFI, c'est tout l'enjeu de ce musée, c'est-à-dire en fait faire en sorte que cette galerie permanente qui avait, comment dirais-je, un côté statique, devienne véritablement une expérience de visite dynamique. Et on ne pourrait pas imaginer d'ailleurs que grâce à 5G, qui, je le rappelle, aura des débits assez proches de la fibre optique finalement, si ça va comme ça, on ne pourrait pas imaginer que le musée sorte de ses murs et arrive jusqu'à chez nous. D'abord, ça rappellerait une période du confinement, parce que c'est comme ça que vous avez réussi à maintenir une offre culturelle pendant cette période-là. Mais est-ce que cette technologie-là, justement, ne permettrait pas d'imaginer des usages un peu nouveaux par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui ? Oui, oui, évidemment, maintenant, nos publics sont plus seulement ceux qui sont à l'intérieur du musée, ils sont aussi à l'extérieur. Il y a un dialogue, il y a des échanges permanents qu'il faut créer, il y a effectivement une visite à construire qui se construit avant d'ailleurs de rentrer dans le musée, qui peut se perpétuer après. Il y a également quelque chose de l'ordre du réseau qui doit se faire avec les visiteurs. On ne consomme plus un musée en s'y rendant et en partant sans qu'il ne se passe rien. Le musée de la carte à jouer a en plus une dimension ludique de réseau avec des joueurs, avec des fédérations de jeux, etc. Donc, on est au cœur d'un système et ce système doit faire l'objet effectivement d'échanges numériques, digitaux permanents, offrir un contenu qui permette aussi de pouvoir, pourquoi pas, démarrer sa visite avant d'arriver et la compléter avec un contenu supplémentaire comme une sorte d'histoire dont on saurait la fin en arrivant chez nous. Très bien, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Jean-Pierre Cazera, qui est le monsieur 5G d'Orange, hein, en termes d'usage, en tout cas, oui, je ne veux pas vous stigmatiser. Je voudrais donner la parole à un autre intervenant qui est en ligne sur Zoom, qui est Jean-Pierre Bien-Aimé, que j'ai oublié de présenter au début, il m'en excusera, qui a été jusqu'à très récemment secrétaire général d'un organisme qui s'appelle 5G PPP, donc Public Private Partien. Enfin, il le présentera mieux que moi. Si on peut le voir en ligne et qu'il prenne la parole. Il va nous présenter, en fait, il va nous dire un petit peu où on en est au niveau de l'Europe, parce qu'on a toujours tendance en France à regarder ce qui se passe chez nous. Mais il faut rappeler que 17 pays européens ont aujourd'hui déjà déployé la 5G, hein, qu'on est donc que dans les 20 derniers, j'allais dire. Mais surtout, il y a peut-être d'autres usages qui peuvent déjà être partagés, mis en place. Vous nous entendez bien, monsieur Bien-Aimé ? Ah oui, mais pas nous. Oui, voilà, parce que le micro est capricieux. Oui, merci Eric. Alors, j'ai des slides. Est-ce qu'il me sera possible de dire next à chaque fois pour qu'on passe au slide suivant ? Oui, sauf que nous, pour qu'on voie les slides, vous m'expliquez comment on fait pour voir les slides et monsieur Bien-Aimé en même temps ? Vous pouvez les partager sur votre écran, peut-être via Zoom. C'est plus simple. Oui, ce qu'il y a, c'est que je ne les ai pas chargés sur l'écran. Alors, attendez. Parce que là, oui, c'est ça, vous êtes sur un seul canal. De toute façon, donc, si que ce soit ici ou à distance, on ne voit qu'une image. Donc, la vôtre ou vos slides. Je vous dis, vous pouvez parler par-dessus vos slides, non ? Alors, voilà, je fais un partage. Est-ce que ça va pour l'instant ? Parfait, parfait. C'est parfait, c'est bon en pour… En plein écran, ça sera parfait. Alors, plein écran… C'est ça. Là, je pense que je suis… Ah ben voilà, je suis en plein écran. Est-ce que ça vous va, ça ? Très bien. Allez-y, parfait. À vous. Bien, ben écoutez, bonjour à tous. Merci Eric pour cette invitation et
Je reconnais aussi des têtes connues avec le professeur Xun Zhang. Nous avions déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Alors d'abord, pour redresser un petit tableau de l'Europe, du cadrage européen, je crois qu'il est toujours important de mentionner le plan d'action 5G. Alors les slides sont en anglais, mais ça facilitera comme ça la traduction. À la suite du 5G manifesto que l'industrie européenne, opérateurs, constructeurs et autres, avait adressé à la Commission européenne mi-2016 pour donner les conditions, les conditions d'un déploiement et d'un développement harmonieux de la 5G, notamment réglementaire. Donc, cela avait été suivi en septembre 2016 de la publication du 5G Action Plan, plan d'action 5G. Et ici, vous en avez simplement quelques traits. Étape importante à la fin de cette année, avant la fin 2020, lancement commercial dans au moins une grande ville des 27-28 États membres. Et à la fin de 2025, la 5G dans toutes les zones urbaines et le long des principales voies de transport. Alors, sans entrer dans le détail, le 5G PPP, 5G Public Private Partnership, donc qui groupe l'industrie européenne, principalement opérateurs, constructeurs, mais aussi universités, instituts de recherche, quelques industries verticales et SMI. À trois phases, les deux premières phases sont à présent terminées. Une première phase qui était plutôt recherche dans les principaux éléments des réseaux 5G pour les faire progresser. Une deuxième phase avec des consortias qui regroupaient des verticaux pour mettre en œuvre, définir des applications type sur la 5G dans divers domaines. Enfin, la phase 3 dans laquelle nous sommes maintenant, qui se terminera à la fin de l'année prochaine et qui est principalement une phase pré-commerciale de trials, de tests avec à grande échelle, avec les verticaux et de plateformes de validation. Alors, du reste, ces projets de la phase 3 dont je parlais, vous en avez ici un échantillon avec les diverses applications des industries verticales auxquelles ils peuvent s'appliquer, qu'ils impliquent, avec l'industrie 4.0, l'agriculture, l'automobile, les smart cities, l'énergie, la santé et médias et entertainment. Vous voyez une large palette est ainsi couverte. Alors, les phases de tests, de trials entre les avec opérateurs, constructeurs, industries verticales, villes européennes, se sont poursuivies. On en a pratiquement 200 en cours dans les 27 États membres, plus le Royaume-Uni, ça représente environ 250 villes qui seront équipées 5G. Donc, vous voyez que c'est quand même assez actif, assez dense. Et en termes de nombre de tests par industrie verticale, on voit que les plus nombreux concernent le secteur média et entertainment. Du reste, ça n'est pas un hasard puisque ça concernera les premiers lancements 5G seront plutôt grand public dans ce domaine média et entertainment, suivi par des domaines plus industriels comme le transport, l'automobile, les usines du futur, l'industrie 4.0 et notamment la santé. Parlons aussi mentionnons aussi les corridors 5G pour la mobilité connectée et automatisée et autonome.
qui est un programme de la Commission européenne avec un focus particulier sur les grands axes de communication, les grands axes routiers européens. Vous voyez sur cette carte, et vous avez notamment les projets 5G PPP de cette phase, de cette dernière phase 3, auxquels sont attachés certains axes, certaines régions. Donc vous avez le 5G Croco, évidemment ça ne veut pas dire ça, ce sont des acronymes, et on voit que les principaux axes européens sont couverts, hein. C'est une action très importante qui ira jusqu'à 2030 en termes d'investissement. Alors, ce slide, ce n'est pas pour faire de la normalisation ou de la technique, mais il est quand même il est intéressant parce qu'il vous montre la progression du développement de la 5G et que couvrent les lancements qui actuellement sont faits en Amérique du Nord, en Chine, en Corée du Sud et en Europe, hein, également. Eh bien, c'est principalement la première phase de la 5G avec ce qu'on appelle la Release 15 qui est une première phase qui ne représente absolument pas évidemment tout ce que pourra donner la 5G, mais qui est une phase plus grand public, disons, avec des applications de mobile très haut débit, comme la vidéo ultra haute définition, les rich media et entertainment, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le home entertainment. Puis vous avez la release 16. Alors la release 16, c'est la deuxième phase, si on peut dire, de la 5G qui a été finalisée cet été, hein, donc c'est récent, qui a été finalisée cet été et qui donne vraiment, je dirais, la pleine mesure de ce que pourra donner la 5G en commercialisation, qui n'est pas ce qui sera commercialisé cette année et l'année prochaine, et avec des exemples comme justement l'automatisation de ces fameuses usines 4.0, les véhicules autonomes, la télémédecine, voire la chirurgie à distance, et dans le domaine de l'énergie, les smart grids, les smart cities, puisque c'est le sujet aujourd'hui aussi avec ici les Moulineaux, et la santé. Alors, ce slide, ça vous, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les phases de la normalisation de la 5G, mais ça vous montre que la 5G, c'est une aventure évolutive qui est loin d'être terminée. On est un petit peu au milieu du guet dans le développement. Certes, Release 15, Release 16, SA, ça veut dire standalone, NSA, non-standalone, c'est-à-dire que SA, on a vraiment la pleine SA. On était encore sur un réseau, un cœur de réseau 4G avec un cœur de réseau avec un réseau radio 5G. C'est quand même surtout la prochaine vague, si on peut dire, la release 17 qui sera définie fin 2021. Donc on a encore plus d'un an de définition, de normalisation, et qui intégrera vraiment la plupart des caractéristiques de ces industries verticales. Donc l'énergie, la santé, l'automobile, les usines, etc. Et c'est vraiment, alors comme vous voyez une définition fin 2021, ça veut dire une commercialisation 2022-2023 avec la disponibilité des équipements, des terminaux, etc. Ça veut dire que la plénitude de la 5G, elle sera donnée à partir de 2022-2023, mais certainement pas avec ce qui est développé, ce qui est lancé commercialement à l'heure actuelle. Donc il faudra encore attendre un petit peu. Alors le 5G PPP avait commis un premier white paper en 2016 assez fameux sur les industries verticales à travers la 5G, et il vient de sortir un deuxième white paper, Empowering Vertical Industries Through 5G Networks, qui approfondit les caractéristiques des futurs réseaux, les features que l'on doit mettre en place dans l'architecture de la 5G pour servir les industries verticales. Et ça, c'est un tableau qui est extrait
de ce white paper et qui vous montre en colonne les industries verticales et les grandes applications qui vont être ciblées, automobiles, transports, médias, smart city, etc. Et en horizontal, en ligne, vous avez les principales fonctionnalités de la 5G qui permettront ces applications verticales. Alors, sans rentrer dans le détail, moi, je vais vous en commenter très rapidement les quatre principales. Alors, le network slicing, qui est assez connu, c'est vraiment la fonction que permet la virtualisation des réseaux et qui, littéralement, découpe en tranches le réseau, c'est-à-dire qu'au-dessus d'une même architecture physique, eh bien, vous avez tout un tas de blocs de réseaux logiques, donc c'est des réseaux virtuels distincts, qui vont assurer des fonctionnalités différentes en fonction des utilisateurs, en fonction des industries, en fonction des clients. Ces applications peuvent requérir l'utilisation de Monsieur Bien-Aimé, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non, juste pour vous demander d'accélérer un petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps si on veut tenir le timing. Et en étant peut-être un petit peu moins, un chouïa moins technique, cela vous m'avez perdu. Hein. D'accord, ok. Et donc, vous avez un petit peu là les principales fonctionnalités. Alors, en termes de roadmap, qu'est-ce qui est prévu? Les trois bandes de fréquences principales, la 700, la 3.5 et les bandes millimétriques, avec des déploiements massifs, surtout à partir de l'année prochaine. Alors, quelles sont les bandes de fréquences qui sont actuellement assignées pour la 5G? Le rural, les longues distances, les zones éloignées, la 700 MHz. Pour la capacité, ce sont les licences qui viennent d'être octroyées en France, par exemple, à la fin du mois de septembre, aux quatre opérateurs, la bande cœur 3,5 gigas. Et puis, un peu plus tard, seront les bandes dites très hautes, millimétriques, qui, elles, seront des bandes de débit, de performance dans des hotspots. Alors, qu'est-ce qui s'est déployé en Europe pour l'instant? Disons que là, à l'heure actuelle, on a pratiquement une centaine de lancements commerciaux dans le monde. Au niveau européen, une trentaine de réseaux commercialisés sur une quinzaine d'États membres. Les principaux opérateurs qui sont concernés sont les opérateurs au Royaume-Uni, avec Vodafone, O2, Three, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, qui sont les plus avancés dans le domaine. Et la France va démarrer. Hein, la France va démarrer. On prévoit au niveau mondial, c'est la Chine et la Corée du Sud qui sont le plus en avance. Et la Chine qui a actuellement, il y avait 13 millions de connexions 5G dans le monde à la fin de l'année dernière. Et la Chine en a déjà, au mois de septembre, 130 millions à elle toute seule. Vous voyez comme ça démarre. Et puis enfin, un dernier slide. Eric, vous m'aviez demandé un petit peu de réfléchir sur les usages. Avant-dernier slide. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme caractéristiques les applications les plus prometteuses? Eh bien, déjà, puisque nous sommes dans une smart city, les mobilités plus sûres, smart city, véhicules autonomes, donc dans les automobilistes, grâce aux échanges d'informations. Le cycliste, l'automobiliste et le piéton pourront recevoir un signal si une collision paraît probable à l'intelligence artificielle qui analysera en temps réel les signaux échangés. Et puis, la ville intelligente permettra aussi une meilleure utilisation des services. Par exemple, une ambulance pourra envoyer
les premières analyses pour que les équipes médicales soient prêtes dès l'arrivée du blessé. Logistique plus fluide, gestion des flux de containers dans les ports, taux de remplissage de camions, convois de camions semi-autonomes, la santé en temps réel, la télémédecine, mais aussi la chirurgie à distance qui a déjà été pratiquée en Chine. Et l'industrie 4.0, automatisation des processus industriels. Voilà, j'avais un téléphone. Automatisation des processus industriels. Gestion à distance des opérations de réparation maintenance. Enfin, l'agriculture plus préventive, animaux connectés dans des fermes. Prévention des maladies animales et viticoles via capteurs. Et enfin, un dernier slide sur une introduction sur la 6G. Là, je l'ai emprunté à l'ISEP, à notre collègue Carlos Bader, directeur de la recherche à l'ISEP, dans notre dernière table ronde fin juin. Le futur, la 6G, vers un monde intelligent hyperconnecté. En gros, ça ira des objets connectés avec la 5G aux agents intelligents connectés. Mais l'intelligence artificielle jouera un rôle majeur, centralisé, distribué, fédéré. Pour l'instant, il y a des programmes européens qui vont travailler jusqu'en 2030 là-dessus. Ne faisons pas trop de communication prématurée sur la 6G, parce que comme vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de choses à développer sur la 5G. Et le déploiement de la 6G, ce sera les années 2030-2032. Donc, c'est intéressant, évidemment, de voir quelles orientations ça prend. Mais évitons, évidemment, le hype marketing sur la 6G, comme sont en train de le faire peut-être quelques constructeurs asiatiques type Samsung et autres. Je pense qu'il ne faut pas vouloir brûler les étapes, mais c'est très intéressant de voir les futures tendances. Merci beaucoup. Ouais, on aura effectivement l'occasion d'en reparler d'ici voilà. Là. Et on parlait de 6G qu'on avance déjà sur la 5. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Cassara qui est chez Orange Suisse, ce projet de 5G. Comme ça, dites-nous où on en est en France d'abord, parce que c'est vrai que on a vu que les enchères avaient été. Oui. Fonctionne, vous m'entendez ou sinon j'enlève le masque. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes à l'antenne pour... Je ne suis pas sûr, c'est ça? Oui. Okay. C'est bon. Simplement, pour revenir sur ce qui a été présenté, ne retenez pas que la roadmap de la 5G est écrite. En fait, on est dans notre industrie, donc dans les télécoms, on est confronté à la chose suivante. Tous les 10 ans, on repense quelque part les réseaux et on doit les penser pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire que la 5G, c'est quelque chose qui a été commencé à être travaillé il y a 10 ans. Et il fallait se projeter sur des usages entre 2020 et 2030. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. L'anecdote, si vous voulez, c'est que la 4G, même exercice a été fait en 2000 et 2010 pour anticiper la 4G. Et des phénomènes ont été un petit peu ratés, on va dire. Les smartphones, par exemple, la 4G a été conçue à l'époque où on imaginait que les usages étaient vraiment des PC ou des tablettes. D'ailleurs, les premiers devices qui sont sortis en 4G, c'était des clés ou des cartes PCMCIA, pour ceux qui se rappellent de ce que c'était. Et l'autre phénomène qui a été, on va dire, pas anticipé, c'est l'Internet des objets. Et donc, il a fallu ensuite, une fois que la 4G a été lancée, rendre ça compatible avec les smartphones, c'est-à-dire pouvoir gérer les appels, etc. Sinon, les smartphones n'auraient pas pu profiter de la 4G. Et l'IoT, en fait, on a rajouté des fonctionnalités à la 4G en baissant les débits, en baissant la consommation pour que les objets puissent profiter de la 4G. Donc, ça donnait lieu à des standards que vous connaissez peut-être, LTE-M, Narrowband IoT, etc. Il va se passer la même chose sur la 5G, c'est-à-dire que cette 5G qui a été pensée il y a quelques années, elle sort aujourd'hui. Depuis un an à peu près, on a des lancements. Donc à Orange, on a déjà lancé en Roumanie, en Pologne, en Espagne. Et on est pratiquement sûr qu'on aura loupé quelque chose. Donc quelque chose va arriver du marché qu'on n'aura pas anticipé. Alors la bonne nouvelle, c'est que la 5G a été une vraie révolution technologique. Tout a été repensé. Donc du sol au plafond, c'est rénovation complète. Radio, cœur, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours technique, mais c'est vrai que tout a été repensé. Les antennes deviennent actives alors qu'elles étaient passives. Les cœurs de réseau deviennent entièrement logiciels. On peut les déporter, les dissocier, les faire évoluer de façon différente. Ça a été pensé aussi pour que les applications soient intégrées mieux dans les réseaux. Donc, tout a été revu. D'ailleurs, beaucoup de choses ont été revues à tel point qu'il a fallu ensuite étager les introductions. Et comme ça a été dit, aujourd'hui, la 5G qui sort, c'est une demi-5G, si vous voulez,
n'y a que la partie vraiment radio qui est nouvelle. Tout le reste, c'est la 4G, en fait. Donc, la partie des traitements reste 4G. En quelques années, on va réintroduire ce qui manquait. Vous avez vu les différentes étapes de release. Et puis, tout un tas de fonctionnalités qui ont été prévues et qui sont maintenant qu'il est important maintenant de confronter avec la réalité du marché, puisque le marché a progressé. Et donc, c'est tout le sens de l'innovation qu'on a mis en place depuis 2 ans. Dès qu'on a pu sortir la 5G des labos de recherche, on les a mis en situation réelle dans des villes, dans des endroits de test. Donc, on a déployé en France, par exemple, hein, plusieurs villes, pour justement commencer à tester ce que la 5G pouvait apporter. Et surtout, on a fait venir des partenaires, des entreprises, des startups, des grandes entreprises, pour leur demander de s'approprier cette technologie et de développer leur cas d'usage, tout simplement pour voir si la 5G répondait à leurs attentes. Donc, c'est quelque chose qui a été entrepris depuis 2018, donc qui s'est traduit par pas mal de projets. Vous verrez, enfin, sur le web, vous verrez plein de retours d'expérience. Même si maintenant on lance, effectivement, on continue cette démarche d'innovation, parce qu'il y a encore plein de fonctionnalités qui sont là et qui ne verront peut-être jamais le jour parce qu'elles ne trouveront pas leur usage ou leur marché, et d'autres qu'on aura oubliées qu'il s'agira de rattraper au fil de l'eau avec des partenaires. Donc, on a continué ces programmes d'innovation. On a lancé il y a deux semaines, c'est vrai, avec Eric, la même chose sur les Cieux Limonio pour faire venir les entreprises qui voudraient tester la 5G dans la ville, et donc de confronter ça aussi avec des nouvelles idées. Et on va continuer de le faire dans les prochaines années, puisque les révolutions un peu technologiques qui se préparent ne sont pas encore mûres. Donc, on va aussi installer des endroits expérimentaux. Il y a une semaine, on vient de présenter d'ailleurs ce qui a été fait, par exemple, dans le port d'Anvers, en Belgique, un réseau de nouvelle génération qui anticipe un peu toutes ces évolutions et qui permet à des acteurs du port d'Anvers de commencer à tester et à voir un peu leurs usages au sein d'une structure portuaire comme celle d'Anvers. On a d'autres projets, bien entendu, dans toute l'Europe qui permettront d'accueillir et de faire venir leurs entreprises petites et grandes. L'idée, c'est justement de susciter de l'intérêt et de, on va dire, stimuler l'imagination bien au-delà des seules grandes entreprises. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de choses. Alors, Smart Cities, dans le domaine particulier, on a vu quelques tendances se démarquer au cours des expérimentations. On voit, par exemple, de plus en plus d'usage de la vidéo pour la ville, une façon très astucieuse de collecter de l'information, d'en déduire des choses et ensuite d'alerter. Donc, que ce soit des places de parking, d'influence dans des zones, dans des places, etc. La distanciation, c'est une façon que vous pouvez capter sur des vidéos et en déduire. Sur la partie automatisation de certains actes aussi sur la ville, des startups travaillent aussi pour avoir des robots de logistique qui se déplacent tout seuls. Bien entendu, des robots, pourquoi pas, qui nettoient. D'ailleurs, on a une expérimentation en cours à Marseille avec un robot qui nettoie automatiquement le vieux port et qui permet d'être repris à distance par des humains. Donc, on fait des contrôles d'appareils à distance. C'est aussi quelque chose qui est assez trivial et qui pourra se développer. Et puis, bien d'autres choses encore. Et je pense que l'imagination est sans limite pour la partie 5G. Donc, simplement, retenez que l'aventure commerciale commence actuellement, mais l'aventure technologique, elle est encore à écrire. Beaucoup de choses sont encore à inventer. La bonne nouvelle, c'est que la 5G, a priori, est un peu plus flexible que les générations précédentes, donc on va pouvoir être adaptatif et s'adapter à tout un tas de situations. Mais on attend, en fait, des ruptures d'usage qui viendront peut-être d'ailleurs d'autres choses que des smartphones. On pense beaucoup à de l'après-smartphone. Ça a été signalé. On pense par exemple à la réalité augmentée qui pourrait avoir un nouveau rôle à jouer, peut-être des lunettes, etc. Des objets un peu différents, des interfaces nouvelles et peut-être plus des tablettes qu'on en a ou les téléphones qu'on en a dans les poches et peut-être changer les choses. Donc, il y a encore beaucoup de choses à inventer. En tout cas, on est tout à fait heureux de travailler avec la ville de Cieux-les-Moulineaux pour permettre justement ces expérimentations. Donc, vous avez encore une semaine pour vous inscrire si vous voulez. Mais on sera de toute façon ouvert et il y aura d'autres sites partout en France et dans le monde pour accompagner ce mouvement. Voilà, oui, j'en profite juste pour rappeler effectivement que les entreprises, start-up, PME qui souhaitent tester de la 5G à partir d'usages, j'insiste là-dessus, très concrets pour la vie en ville, ont jusqu'à le 31 octobre, donc jusqu'à la fin de la semaine, pour envoyer leur projet. Moi, j'avais une question quand même, c'est est-ce qu'on a un premier retour d'expérience finalement, parce qu'il y a quand même, là, on voit que depuis plus d'un an, un certain nombre de pays européens ont lancé
leur réseau. Est-ce que les consommateurs répondent? Est-ce qu'ils sont là? Oui, de toute façon, je pense qu'il y a un engouement du fait que la 5G maintenant vient avec tous les nouveaux téléphones. Et que vous achetez un téléphone récent haut de gamme, la 5G est intégrée dedans. Et là, dans la plupart des pays, et ça va être monté encore en France, vous avez les offres qui vous permettent de consommer. Alors, ça a aussi accéléré le phénomène des offres illimitées. Donc, dans beaucoup de pays, les forfaits data ont continué de progresser pour s'adapter aux usages, hein, tout simplement. Donc maintenant, il n'est pas rare de trouver des 20, 30, 50 gigas, 80 ou pourquoi pas illimités. Donc ça a eu un phénomène sur les forfaits qui sont de plus en plus avantageux, finalement, puisqu'ils deviennent pratiquement tous illimités. Après, il y a eu des cas de déception. Alors, pour comprendre la déception, il faut comprendre que dans certains pays, avec l'absence de nouvelles bandes de fréquences, certains opérateurs, alors on l'a fait en partie d'ailleurs, en Pologne, on a réutilisé des anciennes fréquences 3G, 4G pour utiliser la 5G. En fait, donc, c'est une sorte de partage de fréquences. Alors, ça s'appelle dynamique, hein, puisque c'est dynamique en fonction de l'usage. La conséquence de ça, c'est que finalement, vous avez une 5G qui, en apparence, pas plus performante que la 4G, puisqu'en fait, vous êtes sur des petites bandes de fréquences avec des téléphones certainement de nouvelle génération, mais qui ne tirent pas parti réellement de la 5G. Donc, c'est vrai que dans ces pays, il y a quelques pays en Europe qui ont eu cette stratégie, de ne pas attendre finalement que les régulateurs libèrent les nouvelles bandes. On a parlé de 3, 4, 3, 3, 8, hein, qui sont les bandes les plus utilisées. En fait. Il y a eu ce phénomène de déception. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a quelques opérateurs qui ont déployé la 5G sur des bandes tellement étroites que finalement, le gain pour un consommateur n'était pas évident. En fait. Donc, voilà. Oui, on parle plus de 4G plus dans ces cas-là. Voilà, que exactement. Mais par exemple, les Chinois, là, 130 millions, est-ce qu'on a des retours d'usage est-ce qu'il y a des premiers cas qui commencent à circuler Non, rien de nouveau. Simplement, ça a boosté les usages vidéo, bien entendu. Donc, vous avez plus de consommation vidéo, donc vous regardez davantage de choses sur votre téléphone. Les usages de réalité augmentée se sont largement développés aussi. Une façon d'animer des choses. Alors, il y a des jeux, hein, beaucoup de jeux, etc. On pense aussi que ça va aussi booster tout ce qui est dans le cloud, c'est-à-dire que, par exemple, les cloud gaming, vous avez tous les acteurs maintenant d'Internet qui sont en train d'introduire des services de jeux assez performants en fait, sur mobile, Microsoft xCloud, par exemple, où vous avez une Xbox finalement à disposition dans votre téléphone qui vous permettra de jouer à des jeux très, très puissants sans avoir un matériel très puissant. Donc, ce phénomène-là, mais c'est encore assez jeune. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette dynamique. Le dernier point, c'est que ça a été dit, la 5G a été aussi prévue pour utiliser des bandes de fréquences très élevées. Alors, pas la lumière, mais un peu en dessous, millimétrique. Et ce phénomène-là, alors ça n'a pas été fait en Europe, mais aux États-Unis, par exemple. Le phénomène, c'est que la propagation de ces ondes-là, vous savez, bien entendu, est réduite. Et du coup, la disponibilité était assez faible. Alors, quand vous étiez à côté d'un hotspot, vous aviez des performances extraordinaires. Et puis, dès que vous vous éloignez quelques centaines de mètres, vous n'avez plus de réseau. Donc là aussi, ce phénomène de hotspot a fait que ça a dû décontenancer quelques consommateurs qui finalement ont acheté une promesse et n'ont pas pu vraiment en profiter, ou alors très peu de temps pendant leur journée, et donc des phénomènes de déception. Vous avez eu des articles sur le fait que les gens reviennent un peu là-dessus. La faute aussi au marché qui a peut-être surpromis des choses, et on l'a vu qu'on introduit les choses en étapes, c'est vrai que la première étape, elle n'est pas forcément la plus spectaculaire. Et donc, il faudra peut-être attendre un petit peu. Donc, soyons patients, mais ça nous ouvre quelques années pour justement travailler ensemble avec les acteurs du marché, les villes et autres, pour inventer ces usages nouveaux qui vont arriver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou à distance, d'ailleurs? Monsieur, attendez, je ne vais pas vous passer le micro, ça je ne peux pas, mais je vais le tendre. Bonjour, Ariel Gomez de Smart City Mag. J'ai plusieurs questions. La première, c'est quel rapport entre le LiFi et la 5G? Je n'ai pas trouvé, ou alors j'ai raté quelque chose. Après, sur les expérimentations 5G, donc il y en a eu pas mal en 26 GHz. Certains ont été arrêtés en France parce qu'ils tombaient sous le moratoire de Maire Écolo, notamment. Vous, ce que vous lancez ici, c'est quoi? C'est sur la bande de 3.5, cette invitation aux entreprises, ou est-ce qu'il y a aussi du 26 GHz pour en faire joujou de manière un peu sympa? Non, là, c'est sur la bande commercialisable ou commercialisée maintenant. Enfin, c'est la 5G d'aujourd'hui, en fait, qu'on essaye de... Oui, jusqu'à maintenant, on était sur un régime expérimental, mais c'est vrai qu'on va basculer sur les licences qu'on vient d'acquérir, en fait. Ouais. Par contre, Xun, peut-être pour parler de...
Je pense que la première question est pour moi. Donc, quelle relation entre le LiFi et 5G? LiFi, c'est une technologie de connecter sur le 5G, accès le réseau 5G à l'intérieur du bâtiment. Donc, pour moi, c'est comme une nouvelle antenne. On a une antenne RF, on a Wi-Fi, on a minimum wave. Donc, LiFi, c'est de la lumière, si vous le dites. C'est de la lumière, c'est une nouvelle technologie pour accéder et profiter au début de 5G. Un exemple, ce qu'on disait, c'est tiens, moi je pense, on reprend l'exemple de musée. Okay, aujourd'hui, on parle 4G, on parle 5G. Moi je pense que c'est sûr que si on ne change pas l'architecture de musée, hein, même on parle de 10G ou 11G, ça ne change rien. C'est tout le problème de propagation de radiofréquence. Ça ne traverse pas le mur, le métal. Donc, c'est-à-dire, même vous avez développé un réseau très haut débit à l'extérieur, mais vous avez un petit porte, ça ne rentre pas. Et donc, c'est-à-dire, on ne peut pas profiter. On ne peut pas profiter cette technologie. Et donc, dans ces cas-là, donc, nous nous focalisons sur l'environnement à l'intérieur. C'est-à-dire, comment on peut accéder maximum de données. Donc, on essaie de voir les différentes technologies. Donc, LiFi, pour moi, c'est une nouvelle technologie en parallèle que les autres technologies RF. Non, mais le débit est important parce que, par exemple, dans l'expérimentation qui était prévue au musée, l'idée, c'était d'accéder à du contenu multimédia, du gaming ou des choses comme ça à travers des œuvres ou à partir d'œuvres qui étaient exposées au musée, ce qui est aujourd'hui pas possible compte tenu du débit. Donc, effectivement, la 5G, c'était un accélérateur de débit dans ce projet. Oui. C'est juste pour toujours sur la connexion par la lumière. Est-ce que c'est forcément dans le spectre visible? Parce que du coup, si on s'habitue à avoir la connexion via ce système-là et qu'on est dans un environnement où on a éteint la lumière, hein, concrètement, ce qui peut nous arriver souvent, ou dans des tunnels de métro, par exemple, des choses comme ça, est-ce qu'on peut être sur aussi, je sais pas, des infrarouges ou autres? Déjà, merci pour la question. Donc, ici, il y a deux informations très importantes que dans votre question. Déjà, premier, la réponse est non. On n'a pas obligé de travailler sur l'espectre de lumière visible. Mais d'ailleurs, l'espectre de infrarouge pour très haut débit, hein, c'est déjà développé, même au laboratoire. Aussi, le collaborer avec les entreprises qui sont partenaires projet. Donc, on a atteint très haut débit. La raison qu'on travaille sur l'espectre de lumière visible, la raison plus importante de ma part, c'est le coût. Okay, c'est-à-dire, dans notre démonstration, ici, on a les deux antennes, les mini-wave. L'antenne qui coûte très cher. Et donc, on essaie de voir, est-ce qu'on peut baisser le coût? Ça va être un coût faible. Donc, on essaie de travailler sur la lumière visible et surtout les lampoules qu'on trouve dans le marché. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième chose, je dis que vous avez dit quelque chose de très important, c'est pas de lumière, pas de communication. Ça, c'est d'ailleurs, il y a deux choses. Si on coupe les courants, c'est sûr qu'il n'y a pas de communication, c'est sûr. Donc, les lumières étaient bloquées, il n'y a pas de communication. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est les inconvénients de la communication par lumière. Donc, on ne peut pas contourner ça, ça, c'est sûr. Donc, ici, c'est pour ça qu'on se dit toujours... on travaille sur le LiFi, on travaille sur le VLC, n'est pas pour remplacer les autres technologies RF, mais plutôt un complément, comme un réseau secondaire. Pour certains endroits qui sont sensibles sur radiofréquence, comme l'hôpital, je pense en 2015 en France, on a déjà une loi qui a sorti d'essayer de limiter la bande Wi-Fi dans l'école ou dans le crèche. Ben d'ailleurs, je pense à Orange, je travaille beaucoup sur ce phénomène aussi, de voir comment on trouve la technologie qui permet de réduire le RF dans certains endroits sensibles. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas, je réponds à votre question. Bonjour. Bonjour. 5G, LiFi, quels sont les impacts sur la santé? Non, sur la 5G, en fait, on a mis en ligne notre position, donc je vous renvoie sur le site orange.fr.
l'IFI.fr pour voilà, la position officielle, on va dire. C'est un sujet un peu polémique, donc je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Mais on a mis en fait tout l'argumentaire effectivement actuel. Sur les bandes actuelles, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ces bandes-là, les 3, 4, 3, 8, elles sont déjà utilisées en fait, hein, pour des réseaux 4G, pour des réseaux WiMAX, donc ce n'est pas nouveau. Donc on n'apporte rien de plus en termes d'exposition aux ondes que ce qui existe déjà dans certains endroits. C'est un autre débat pour les autres bandes, mais en tout cas sur la partie 3, 4, 3, 8, c'est des bandes assez classiques qu'ils ont déjà utilisées. Oui, le LiFi, la lumière. Donc, ouais. En fait, l'une des objectifs les plus importants pour nous, et aussi ça, personnellement pour moi, ça m'a motivé, c'est vraiment la partie de, on appelle communication verte, la verte pour la santé, mais aussi pour la consommation énergétique. C'est-à-dire, on profite des composants de LED. Donc, déjà, une faible consommation pour l'éclairage, mais en même temps, on profite pour faire la communication. Donc, c'est une des raisons principales donc, pour la santé et aussi pour réduire la consommation d'énergie. C'est une des objectifs. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Hein, donc, c'est une des objectifs aussi. Voilà. Et peut-être pour la collectivité, notre rôle, c'est de contrôler évidemment que tout cela respecte les normes légales et officielles, hein, qui sont des normes d'exposition qui sont... déterminé. Et pour les gens, parce que ça arrive parfois qu'ils se plaignent auprès de la mairie pour dire qu'ils ne se sentent pas bien depuis qu'une antenne est allumée, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, on déclenche des mesures à leur demande pour, ben voilà, pour leur démontrer que toutes ces normes sont enfin, conformes à la réglementation. D'autres questions ? Enfin, je sais me glisser, je pense aussi à l'image. Merci pour vos présentations. Moi, j'avais une question pour monsieur de Musée. Merci beaucoup ce que vous avez dit. Vous parlez beaucoup d'expérience des gens. Moi, je travaille dans une école de design et je voulais vous poser une question sur l'expérimentation que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez appris quelque chose des gens, de vos utilisateurs, en faisant cette expérimentation que vous n'avez pas compris avant ? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Il y a eu des réactions, effectivement, des gens donc, lors du test de 2015-2016, des réactions qu'on n'attendait pas. On avait souhaité donc un dispositif totalement automatisé afin que la personne puisse se concentrer sur sa visite, sur les œuvres, et non pas sur le matériel ou sur la manière dont ça fonctionne, etc. Eh bien, au lieu d'avoir justement cette liberté qui était offerte aux visiteurs, le visiteur, il arrivait qu'il soit perdu. Et donc, il essaye d'appuyer sur la tablette pour l'allumer, l'éteindre, retrouver, etc. Alors qu'en réalité, il ne devait rien faire. Deuxième élément, le public de musée est un public un peu conditionné, on l'est tous quelque part. Et donc, le fait de ne pas avoir de numéro, eh bien, finalement, ça le perdait. Au lieu de lui ouvrir la possibilité de nouvelles libertés, ça le perdait. Donc, on a effectivement fait un petit peu évoluer notre façon de voir, qui était peut-être au départ un peu utopique. Et donc, il a fallu qu'on ajoute finalement des éléments pour montrer quelles étaient les œuvres qui étaient commentées et les distinguer des autres, sans rajouter de numéro quand même. On est resté fidèle à notre esprit. Et puis il a fallu qu'on explique davantage donc, à l'utilisateur qu'il n'avait absolument rien à faire et surtout rien à faire pour utiliser la tablette. Voilà, donc il a fallu nous adapter en fait, à des publics qui n'en avaient pas l'habitude pour finalement qu'ils se concentrent totalement sur sa visite et effectivement les publics ne sont pas habitués. Que vous parlez quand même de rendre l'utilisateur actif et en même temps vous lui dites il faut faire rien. Donc c'est aussi de qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les affordances de cette nouvelle interaction que vous proposez. Et voilà, moi je suis très intéressée de continuer cette discussion. Très bien. En fait, ce que l'on avait observé, c'est que un utilisateur d'audio guide ou de matériel interactif, quand il visite un musée ou une exposition, il voit son temps de visite souvent amputé de 10 à 15 %,
par du temps pris pour paramétrer l'application, pour gérer, je ne sais pas, appuyer sur le bouton, gérer la découverte du code QR parfois qu'il fallait scanner, etc. Tout ça, on ne voulait pas. On voulait qu'il y ait un maximum de temps qui soit consacré à ce qui est notre travail, c'est-à-dire l'observation de l'œuvre et la découverte d'une œuvre. Donc, on voulait concentrer véritablement la visite sur l'œuvre à découvrir. Ce qu'on a découvert, c'est que voilà, les gens ne sont pas habitués justement à avoir un matériel totalement automatique. C'est ça qu'on a découvert et c'est ça qu'il faut faire progresser. Simplement en indiquant au public comment il faut l'utiliser. Et ce qui est déconcertant, parce que du matériel totalement automatisé, c'est assez rare dans un musée. Ouais, c'est rare tout court d'ailleurs. Vous avez des questions? Alors, je me demandais un petit peu, tout ça, je suppose qu'on va devoir créer de nouvelles antennes, de créer de nouveaux matériaux, remplacer des téléphones, etc., avec la 5G ou avec le LiFi. Ma question est, est-ce qu'on a une idée du bilan carbone, du bilan énergétique que tout ça va coûter? Qui répond? Ah ouais, je vous en amène un. Sur la partie 5G, je vous laisserai compléter sur la partie LiFi. Depuis le début, en fait, Orange a insisté au niveau de la normalisation pour justement prendre en compte cet aspect énergie, puisque comme vous et nous, on paye une bonne facture énergétique aussi. Donc, on a aussi intérêt à la minimiser, en fait. Et donc, toute la 5G a été conçue aussi pour être très vertueuse de ce point de vue-là. Alors, dans la pratique, c'est un nouveau réseau. Donc, on déploie effectivement un peu plus de matériel aujourd'hui. Mais le fait de passer, par exemple, par des antennes actives a le potentiel de diminuer drastiquement, en fait, l'énergie utilisée pour le même usage, en fait. Donc, on va descendre peut-être d'un facteur 10, puis 100 dans quelques années pour un même usage. Alors, les usages continueront de croître, bien entendu. Ça, on peut nous faire confiance de continuer à utiliser davantage. Mais tous les deux phénomènes vont se compenser. Donc, on espère pouvoir un peu comme le Covid, aplatir la courbe et ne pas effectivement avoir de consommation excessive. Tout a été pensé pour ça, on ne va pas le temps de détailler, mais effectivement, on change complètement la façon dont on émet et on reçoit les ondes dans ce nouveau monde. Pour l'instant, il y a encore la 2G, la 3G, la 4G, bien entendu, donc on accumule, mais peut-être que certains pays ont déjà arrêté la 2G, 3G, donc notamment en Asie, c'est déjà fait, aux États-Unis, il n'y a plus de 2G depuis longtemps, 3G non plus. Donc voilà, il faudra aussi se débarrasser un peu de ces anciennes générations. Alors, les gens vont hurler parce que leur vieux téléphone 2G ne marchera plus. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça, et ce n'est pas simple. Mais retenez quand même qu'effectivement, tout a été pensé pour être très économe en termes d'énergie, d'efficacité et de consommation globale pour permettre justement de continuer à accompagner le développement des usages qui sont importants et qui eux-mêmes, d'ailleurs, contribuent aussi à l'environnement, puisque le numérique est une solution aussi pour pas mal de nos soucis d'énergie. Et peut aider aussi à des économies directement. Alors, le LiFi, je ne sais pas, je vous laisse parler. Alors, donc pour la partie LiFi, je précise encore une fois, LiFi n'est pas le 5G. 5G n'est pas le LiFi. Donc, c'est un relais, c'est-à-dire qui existe en parallèle que Wi-Fi ou Bluetooth ou les autres. Donc, je pense, on l'a déjà parlé, les LiFi, on utilise les sources de lumière, existent. Déjà, l'idée, c'est profiter d'une source qui existe pour économiser l'énergie. La deuxième chose ici, c'est peut-être, j'ai anticipé un peu une question que vous avez posée. Et tu dis, monsieur, hein, vous utilisez le LiFi, il faut allumer la lumière. Donc, s'il n'y a personne, il va allumer ou ça ne consomme pour rien. Donc, ici, c'est-à-dire, on parle de la lumière, ce n'est pas sûr, c'est lumière visible. Donc, c'est-à-dire, on peut essayer de moduler le signal pour réduire la puissance d'alimentation de les lampes. Donc, quand la lumière qui n'est pas visible, on appelle aussi quand même la communication par lumière, mais non visible, qui permet de réduire la consommation. Donc, en conclusion, pour nous, la partie LiFi, donc une des raisons plus importantes pour nous, c'est vraiment lié vers réduire la consommation de communication et surtout à l'intérieur. Parce qu'on considérait que la majorité maintenant, le trafic de données mobiles sont à l'intérieur des bâtiments, dans le shopping mall, dans les autres endroits. Juste une petite précision. Moi, je vais juste conclure là-dessus, parce que ça touche évidemment le cœur de ce que ici Mouno essaye de faire depuis des années, hein, parce que c'est la Smart City. Et la Smart City pour nous,
c'est le numérique mis au service de la lutte contre le changement climatique, pour être très clair. Donc, évidemment, enfin, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les technologies évoluent et on sait que ces antennes 5G sont plus économes que les 4G. Mais on sait aussi que nous allons plus consommer d'énergie parce qu'on va consommer plus de data. C'est le sens effectivement de l'histoire. Donc il ne faut pas se mentir, hein, c'est bien ce qui va se produire. En revanche, enfin, nous en tout cas, c'est notre pari, c'est d'avoir confiance dans la technologie parce que nous, on pense vraiment que la technologie, c'est la solution, en tout cas l'une des principales solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique. Parce que le progrès que ça peut générer nous permettra de trouver des solutions pour nous adapter. Parce que je ne sais pas si on arrivera à arrêter le réchauffement climatique, mais en tout cas, on devra s'adapter. Et l'adaptation, on la réussira grâce à la technologie. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Les questions de santé, d'environnement, ça accompagne l'histoire du progrès depuis l'origine, peut-être pas des temps, mais en tout cas l'origine de la révolution industrielle. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie, à chaque fois, on a eu les mêmes questions, les mêmes débats, les mêmes peurs. À chaque fois, c'est finalement le consommateur qui décide. Mais sur la technologie par rapport à Smart City, pour moi, c'est vraiment clé. Quoi. Si on n'utilise pas la technologie, ben, on ne réussira pas à nous adapter au changement climatique. Et c'est ça qui nous menace vraiment. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose d'un petit peu concret ou des projets à Issy-les-Moulineaux sur la 5G, ce que vous pourrez faire avec la 5G? Parce que jusqu'à présent, je n'ai rien entendu qui réponde au titre de la conférence, la 5G dans la Smart City. Pour moi, jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'un peu concret? Même un projet, hein, ça peut être la sécurité utilisée. D'ailleurs, vous avez bien fait de préciser que sur la consommation électrique des opérateurs, Martin Bouygues l'a reconnu, il y aura une augmentation sensible de la consommation, mais peut-être il y aura des économies par ailleurs. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à regarder ces modèles-là et voir concrètement ce que ça peut apporter? Et moi, je suis venu en quête d'informations. Est-ce qu'il y a des villes? Ici, vous avez été pionnier sur pas mal de choses. Est-ce que vous faites quelque chose de concret sur la 5G? Si on lance justement ce challenge à 5G, c'est parce que je me pose la même question que vous. C'est que moi, quand j'écoute les opérateurs, je vois les solutions techniques. Je vois ce que ça pourrait permettre pour les industriels. Mais je n'arrive pas à voir ce que concrètement, pour chacun d'entre nous, ça peut nous apporter, à part plus de débit pour regarder la vidéo ou pour jouer en ligne. Mais franchement, je trouve que c'est pas la révolution qu'on attend. Donc, il faut y travailler. C'est la solution qu'on essaie d'avoir. Moi, ce que je cherche, c'est de raisonner par usage. On a des besoins. Je prends un exemple très concret. La ville travaille aujourd'hui sur l'élaboration d'un budget CO2. Un budget CO2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à savoir comment on peut concrètement économiser nos émissions de gaz à effet de serre année après année. Mais pour le savoir, il nous faut des indicateurs. Et pour avoir des indicateurs, il nous faut des données et donc des capteurs. Et tout ça, en fait, on pourra l'avoir que si on arrive à mettre en place des infrastructures nous permettant de collecter ces données, d'abord les identifier, parce que ce n'est pas sûr qu'on ait une vision de tous les indicateurs dont nous avons besoin. Mais ça joue vraiment là-dessus. C'est-à-dire que ce budget CO2, il ne verra pas le jour si on n'a pas les données qui nous permettront de mesurer, d'évaluer et de rendre compte. Parce que le vrai problème pour moi de ces débats sur le changement climatique, c'est que nous avons des objectifs à long terme, 2030, 2050, au zéro émission. Mais voilà, d'ici 2050, on aura plein de raisons pour reculer pour l'échéance, parce qu'il y a une crise Covid, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a un attentat, parce que je ne sais quoi. Alors que si on se fixe des objectifs annuels, on peut non seulement faire la démonstration que ça marche, mais on peut surtout impliquer davantage tout le monde. Parce que faire des efforts mineurs année après année, c'est plus facile que de s'entendre dire qu'en 2050, il faudra qu'on choisisse entre manger un steak ou prendre l'avion une fois par an. Juste compléter quelque chose que ce que je pensais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est écrit. Donc, je discutais beaucoup avec les gens qui travaillent sur 5G, les partenaires chinois aussi. Ils sont très fiers. Voilà, en Chine, maintenant, on a 5G partout. Mais je leur dis, quelle différence entre maintenant le 5G et avant? On peut regarder les télés 4K, 8K, mais pour moi, c'est le 4G+. Donc, actuellement, pour le grand public, pour des gens qui ne voient pas les avantages ou le scénario de 5G. Pour eux, c'est simplement, on peut avoir des choses plus vite,
le vidéo beaucoup plus haute qualité. Pour moi, c'est 4G+. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des choses innovantes. Il n'y a pas des choses innovantes. Mais comme Eric a dit quelque chose, ici, c'est très important parce que... mais ça, c'est la condition d'avoir des choses innovantes. C'est-à-dire, il faut avoir les systèmes déjà, le grand public équiper les équipements, avoir des capteurs partout. Et c'est la condition, on dit, tiens, on peut transférer en vidéo de 4K de Marseille jusqu'à Paris. Et c'est le moment-là, on peut imaginer des nouveaux scénarios. Parce que ça, on ne peut pas anticiper, on ne sait pas. C'est comme dans le POC 4G, donc on ne sait pas, il y a un smartphone qui est exposé, on a un smartphone sans clavier physique, on ne sait pas. Et donc... une fois que l'infrastructure est bien équipée partout, et ce moment-là, je pense, naturellement, il y a des nouveaux scénarios qui sortent, télésurgiennes, pour consulter les médecins, des distances, AVR, VR, AR, virtuel, tout ça. Mais moi, je ne m'inquiète pas trop le scénario. Je pense que ça, c'est, ça vient naturellement. Maintenant, c'est plutôt les gens qu'il faut connaître les nouvelles technologies. Voilà, donc... Merci. Voilà, donc voilà, on a des idées, on a des projets, mais on n'a pas de cas concret d'usage qu'on peut illustrer. C'est bien pour ça qu'on en débat, hein, parce qu'il faut les trouver. Parce que moi, je suis vraiment convaincu. Ça a beau s'appeler la 5G, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand je me suis bien aimé à parler de la 6G. Mais ça peut être un échec commercial énorme. Hein. Vous savez, si les gens ne l'adoptent pas, ils peuvent se planter. Ça s'est déjà vu avec d'autres technologies. Hein, parce que, et ça sera le cas s'ils ne trouvent pas d'usage qui répondent aux besoins de chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Ou alors, ça restera quelque chose pour le monde économique, industriel, parce que là, effectivement, on peut imaginer de vrais usages concrets et intéressants pour eux. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Oui ? Après, il faut qu'on arrête, parce qu'il faut qu'on respecte l'horaire. En termes d'usage, une chose qui n'a pas été évoquée, mais moi, je croyais, enfin, j'avais cru comprendre que c'était très lié au déploiement de la 5G, par exemple, c'était... les véhicules autonomes, le fait que demain, tous les véhicules, on va dire, pour simplifier, fonctionnent de manière autonome et on sait, ou certaines analyses disent que pour que ça marche, il faut que les véhicules ne soient pas en fait totalement autonomes, mais en fait soient plutôt tous reliés, qu'ils discutent tous entre eux, que les voitures discutent entre eux, qu'elles discutent avec la route, qu'elles discutent avec la ville, avec l'administration de la ville, pourquoi pas même avec la circulation des piétons, des transports en commun, etc. Et bon, voilà, je suis étonné que ça ne sorte pas. Sincèrement, enfin, je vous laisse répondre, mais c'est justement pas le genre de cas d'usage que je veux mettre en avant parce que les véhicules autonomes, c'est quand même très loin pour le grand public. C'est pas pour demain, c'est peut-être même pas pour après-demain dans nos villes, en tout cas dans nos rues. Il suffit de regarder comment se passe la circulation, la cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les véhicules pour imaginer ce qui se passerait s'il n'y avait que des véhicules autonomes dans nos rues. Alors, ça apparaît dans les roadmaps que vous avez vus, mais effectivement, ça tarde à être utilisé. Ça avait été conçu à l'époque pour la communication directe entre objets. Et donc, ça a été recyclé pour être adapté aux véhicules et avec l'infrastructure. Donc, dans les lignes, les roadmaps s'appellent V2X, véhicule à infrastructure ou autre véhicule. Et donc, tout ça a été normalisé, a été standardisé. Mais le besoin, effectivement, n'a pas été pour l'instant très flagrant. Bon, beaucoup de roadmaps de véhicules autonomes ont reculé entre-temps. Hein. Donc, il y a eu des choses, en fait. Et quand vous parlez d'une voiture qui communique avec l'infrastructure, il faut que l'infrastructure soit connectée aussi et communicante, ce qui suppose énormément d'investissements. Ça a été dit, l'Europe essaye de financer des projets pour au moins ouvrir des corridors connectés, pour avoir au moins une partie d'infrastructures routières, notamment les autoroutes, qui puissent avoir ce genre de fonctionnalités. Donc, c'est des projets, d'ailleurs, Orange participe à certains d'entre eux au niveau européen. Donc, il y aura peut-être des endroits où ce genre de système sera mis en place, mais ça suppose tout un écosystème qui n'est aujourd'hui pas là. Et sachez aussi que les voitures, enfin, les constructeurs de voitures, ont longtemps défendu d'autres façons de faire, notamment à base de Wi-Fi, pour ces communications. Donc, ils sont venus assez tardivement sur le monde cellulaire, et donc ça n'a pas forcément accéléré les choses. Mais je pense que la clé du sujet, c'est que le besoin n'est pas encore... la voiture autonome, les roadmaps se sont largement décalés dans le temps, et je pense que peut-être que des systèmes autonomes dans les courtes périodes ou sur des périphériques ou autoroutes, ça peut s'envisager à moyen terme, mais le reste est à très long terme, en fait. Donc voilà, ça fait partie des bonnes idées qui ont été anticipées, mais qui ne sont peut-être jamais utilisées dans le cadre. Alors, pour être positif, on a quand même à l'INAS Montlhéry un centre de test. Donc voilà, si les gens veulent travailler dessus, on a équipé le circuit de test de Montlhéry de la 5G. Et donc, on commence les tests avec des équipementiers pour justement mettre au point ces choses-là. Ça prendra un petit peu de temps probablement à aller en termes d'exécution. Mais
techniquement, c'est prêt, mais voilà, c'est le marché qui n'est pas prêt pour le moment. Ça sera le mot de la fin, le marché n'est pas prêt. Non, mais effectivement, on est au tout début de cette nouvelle technologie. Finalement, on ne la présente comme une révolution. Seul l'avenir nous dira si c'est vraiment le cas et quels usages vont émerger. Et ces usages-là, moi, je souhaite qu'elles viennent vraiment du bas et pas qu'elles ne soient dictées par l'industrie ou je ne sais quelle vision futuriste. On est très pragmatique. Ce qu'on voudrait, c'est juste que ça nous permette encore une fois, d'être plus efficace au niveau des villes. Moi, je raisonne par rapport à la ville, d'être plus efficace au niveau des villes et que les gens y trouvent leur compte. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation ce soir, à ceux qui étaient là, à ceux qui étaient en ligne, et pour votre patience, parce qu'avec quelques soucis techniques qu'on a pu rencontrer. Et puis, je vous invite à suivre le compte-rendu qui sera publié sur le site web et puis à continuer à suivre ce qui va se passer sur la 5G, parce qu'évidemment, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est le début d'une nouvelle page de l'histoire de la technologie à ICI Mouino comme ailleurs. Merci à vous. Et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Je vous en prie. Au revoir et merci. Bye bye and thank you.